Bonjour à tous et bienvenue donc dans Salut. Cette nouvelle sortie de Projo consacrée donc à Pacific Rim, la nouvelle grosse production tant attendue par tout le monde des Del Toro, le film geek vraiment fantasmé. Un peu. Guillermo de son prénom. Guillermo, oui. Mm. Et pas Benicio Del Toro. Non. J'avais vu une fois dans un magazine où ils avaient... Ils s'étaient plantés. Ils avaient dit avec un film de Benicio Del Toro. Oui. Énorme. Bon, c'était Hellboy 2, un film de Benicio Del Toro. Et on va présenter rapidement le film, mais c'est parce que tout le monde en parle en ce moment, donc il n'y a pas forcément besoin. En plus, Fabien a fait un tocoscope où il a aussi déjà critiqué le film, donc on a déjà beaucoup parlé. En gros... On a même fait un dossier dans l'écran fantastique. Oui, un dossier dans l'écran fantastique. Donc voilà, c'est un peu le film. Donc c'est le film qui sort là, ce mercredi. C'est un film de Guillermo del Toro qui n'a pas fait de film depuis Hellboy 2, qui a eu une grosse période du désert. 5 ans. Perdu The Hobbit, pas pu faire les montagnes hallucinées, de etc. De projet avorté. Et il revient avec un projet un peu fantasmé, une sorte de match-up entre robots géants et Keiju Ega, les Keiju. Donc c'est un hommage aux animés japonais et aussi au Keiju Ega, c'est-à-dire. Film style Godzilla, Gamera, etc. De monstres japonais, tout bêtement. Voilà, et de Tokusatsu, on peut dire ensemble. Donc Tokusatsu, film à effets spéciaux. Un film de géant, quoi. Et alors l'histoire, c'est très simple. Il y a une baie qui s'ouvre dans le Pacifique. Et il y a des monstres qui en sortent, une faille. Une brèche. Et une brèche vers un monde interdimensionnel, comme le dirait George Lucas dans Indiana Jones 4. Et donc, Et donc, il y a des dinosaures qui arrivent, des monstres, des kaijus, ce qu'on appelle des kaijus, des monstres géants, qui vont exploser toutes les villes, tous les ports, d'ailleurs. Parce que c'est plutôt. Parce que c'est tout ce qui est autour du Pacifique. Ouais, et donc, du coup, ils sont obligés pour les combattre, ils vont créer des Jaegers, qui sont des robots géants. Qui vont être animés par deux personnes, une pour chaque hémisphère, c'est-à-dire que les deux doivent être synchronisés, c'est-à-dire en complémentarité avec le robot. Synchronisation, complémentarité, c'est un langage évangélien. Oui, je sais, c'est un langage. Donc on reconnaît plein de choses, on reconnaît du évangélien, on reconnaît du Godzilla, on reconnaît beaucoup de références et d'hommages, puisque c'est vraiment un film. D'ailleurs, le film. Des hommages assumés totalement. Le film est absolument adoré par beaucoup de fans. Alors, tout le monde en parle, c'est assez dithyrambique depuis pas mal de semaines, même si le film n'a pas un succès énorme en salle pour l'instant, même si il a quand même quelque chose. Ça démarre tranquille aux États-Unis, voilà. Et au Japon, il y a déjà tous les grands noms du jeu vidéo, parce qu'il y a aussi des jeux vidéo et de l'animation. Gonagai, Kojima. Gonagai aussi, ils ont tous dit que c'était. C'était bien. Que ça faisait des années qu'ils n'avaient pas vu un film comme ça. Tant mieux, il faut qu'il y ait cette émulation-là aussi. Bon, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, les gens? Commencez-vous, parce que j'ai déjà fait une critique, ça va arriver tranquille. Philippe. Je prépare mes arguments. Eh bien, écoutez, alors c'est simple, ce film, tous les trois, on l'attendait comme le Messi. Enfin, moi, en tout cas, c'était le Messi. C'était le film qui allait peut-être propulser une nouvelle vague de films. L'hommage à l'animation, au Keiju Ega, c'est vraiment quelque chose que j'attendais énormément, que les Japonais ont toujours essayé de faire, mais jamais avec des budgets aussi colossaux que ceux de Guillermo del Toro. Et franchement, je vous avoue que je l'attendais peut-être un peu trop. Voilà, je l'attendais trop. J'aurais dû mesurer en fait mon attente parce que j'ai eu ce petit arrière-goût amer. Alors, le film, je l'ai adoré, tout simplement. Le film des robots géants qui se tapent contre des mechas, contre des monstres, tout est beau. C'est magnifique. Tu te rappelles, dans les premières annonces, on avait peur que ce soit un petit peu laid en termes de design. Enfin, pas de design, mais d'effets spéciaux. Et en fait, ça déchire. Franchement, tout est génial. Ce film te donne une ch'tonga comme t'imagines pas. Et tout le temps, parce que c'est que focalisé là-dessus. Bien sûr, il y a des personnages. Mais voilà, moi, le gros défaut de ce film, mais vraiment le gros défaut, c'est le manque cruel de poésie qui est inhérent chez Guillermo del Toro dans tous ses films. Et là, il en a fait vraiment un film quasi, même que militaire, c'est ça, en fait. Il est quasi militaire, ce film, et ça m'a un petit peu déçu dans l'idée où il n'y a pas un peu la rêverie qu'il apporte généralement à tous ses thèmes. T'as quand même la partie avec les scientifiques qui vont fouiller dans l'univers. J'ai pas dit que c'est pas poétique, mais c'est pas non plus militaire. Et t'as quand même une exploration de l'univers qui est pas mal. Quand il rentre. Alors putain, là je suis en train de. Il essaye. Il y a des choses à un moment donné, quand on explore un peu. Je vais éviter de spoiler. Quand il explore un peu l'anatomie des monstres, etc. Il y a quelque chose qui est presque assez poétique. La texture, elle est là. La texture, elle est toujours là. Et puis la scène avec Reiko jeune.
est quand même assez poétique aussi. Il y a quelque chose de chevaleresque là-dedans qui est pas mal avec Elba. C'est une belle scène, c'est un peu nostalgique. Mais je te parle dans l'ampleur. Plus iconique que poétique. C'est ça, exactement. Oui. Parce que là, ça te rappelle vraiment tous les films qui jouaient gay avec les petits enfants. Lyrique, il y a un côté un peu lyrique. Oui, 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 mais si tu veux, la... Pas vraiment, écoute. Elle est lyrique, mais pas forcément poétique dans la mesure où elle dit quelque chose sur les personnages, mais elle se pose pas comme un Hellboy, tu vois, ou la scène de destruction du... Oui, parce qu'on n'est pas du même point de vue. Tu vois, voilà. Tu vois, même... Enfin, je comprends ce que veut dire Philippe. Dans les combats, on reste du... Enfin, vraiment très brutal. Très, très brutal. Alors, c'est ce qu'on cherche. Hein. On va pas chercher midi à 14h. Voilà, on veut du fight. On veut des trucs qui s'écroulent autour des grands mechas et compagnie. On veut vraiment qu'il y ait des étincelles partout, que notre rétine, elle explose de partout. Ok, c'est exactement ce qu'on a. Mais voilà, c'est pas des personnages. Alors, le personnage de Reiko est sensationnel. C'est un super personnage ultra touchant. Mako. Idris Elba est très bien. Mako. Ouais, d'accord. Autant pour moi. Oui. Mais c'est Reiko Ikuchi. Ah oui, Rinko, oui. C'est... Kikuchi d'ailleurs, je crois. Kikuchi. Ouais. Et en fait, par contre, le personnage principal, donc ce Jax de Sons of Anarchy, je peux pas le blairer, comme dans la série, qui est génial. J'en avais eu le même débat dans Sons of Anarchy, je crois. Ouais, ouais. C'est un personnage qui est trop beau gosse pour cet univers-là encore. Il est en marge de tous les autres. J'ai l'impression que c'est pas vraiment. Je suis pas d'accord. C'est pas un personnage qui fait partie des univers que je regarde, je sais pas où il est oui, dedans. Oui, mais. En fait, tu l'aimes pas, quoi. Non, en fait, je l'aime bien, même. Je le trouve cool. Il a une bonne démarche. Il est sympa. Mais je trouve qu'il est tout le temps en marge du reste. Et c'est bizarre. Et c'est pas du tout que je l'aime pas. Hein. Bon, pour un film que t'as bien aimé, tu l'as bien défoncé. Alors, vas-y, Fabien. Alors, imaginez que Del Toro soit votre tonton. Et qu'il arrive à Noël avec, genre, le super cadeau de la mort qui tue. Et que ce cadeau, vous le trouvez énorme. Et que... il y a des petites pièces qui marchent pas, mais que le cadeau est tellement énorme que tu vas lui faire un gros câlin et tu vas lui dire merci tonton. Petites pièces qui marchent pas, tu t'en fous, voilà, de côté. Voilà. Et c'est ça quoi, en fait, Pacific Rim quoi. C'est juste que moi je parlerais même pas de défaut, je parlerais plus de scorer en fait. C'est des petits trucs qui marchent pas, mais parce que c'est propre à soi, pas parce que le film fonctionne pas en fait. Tu vois, c'est juste que je réponds un peu à Philippe par rapport au héros. Moi je pense pas qu'il est mauvais, c'est juste que je m'identifie pas à lui, c'est tout. C'est juste que c'est pas lui mon point d'attache dans le film, c'est la fille. Ils arrivent même pas à s'incarner, les personnages, des fois. Hein. C'est tellement manichéen que... Disons, pense qu'en fait, ils ont aucune originalité, surtout lui. Ce sont des archétypes, mais l'archétype n'est pas forcément une mauvaise chose. Et il vaut mieux un archétype... Non, mais là, il s'en sort pas, en fait. Il vaut mieux un archétype par Del Toro... au moins où tout est identifiable. Je veux dire, même les mecs, les personnages australiens là, le père et le fils, tu t'attaches à eux, même si c'est pas eux les personnages principaux. C'est ce que t'as dans les... Attends, mais c'est étonnant, parce que tu t'attaches plus à eux qu'à la relation entre les deux héros. Moi aussi, ça va. Bah, moi, c'est sympa, moi, c'est bien va. Construit, moi, mais à la fin, tu t'en fous. Bah, à non, la fin. Écoute, j'ai vu le film deux fois, je peux te dire que la relation, elle marche, quoi. Après, comme dit Fabien, c'est des archétypes, mais les archétypes ne sont pas... il faut pas confondre archétype et cliché. Et clichés, quoi. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est un peu les deux côtés d'une même pièce, je suis d'accord, mais ça peut sombrer dans le cliché, mais un archétype sert à quelque chose. Et là, dans ce cas-là, je te laisse parler. Par exemple, tu prends ces archétypes-là et tu les mets aux mains du mec qui a fait Battleship. Ça aurait été de la merde. Mmh. Parce que le mec ne serait pas tombé amoureux de cette histoire-là. Del Toro en fait. A une sensibilité, voilà. Ça se voit. Mais Del Toro a toujours mis des archétypes dans ses films. Oui, oui. Des personnages de grande gueule, des personnages qui sont un petit peu BD, hein, c'est de la bande dessinée. Oui. D'ailleurs, là, les scientifiques, ils sont... Eux, oui, pareil, ils sont pareil, c'est super over the top. Même Ron Perlman, le personnage Ron Perlman, est ultra over the top. Mais ça, c'est ce qu'on aime dans l'univers de Del Toro. Ça dépend de quel univers, mais les Del Toro, il a un peu, il a deux côtés. Il a le côté bourrin sensible. Et le côté, voilà, il y a le mec qui a fait Blade 2. Ouais, mais dans Blade 2, t'as toute la sensibilité du monde. Il y a de la poésie dans Blade 2. T'as quand même des grosses scènes de fight avec du rap, mec. Oui, mais t'as pas qu'un peu de poésie dans Blade 2. Je termine. T'as tout un film. Le seul truc qui m'emmerde dans ce film, le seul truc vraiment, c'est la musique. Où je trouve que c'est un peu vraiment de la musique au kilomètre, un peu industrielle, un peu bourrée et tout. En fait, il y a un thème, quoi. C'est ça, et le mec recycle son thème. C'est vrai que le mec, c'est pas fiché. Et je trouve que c'est Del Toro qui est allé chercher ce mec-là. Le mec d'Iron Man. Mais c'est juste que je me dis... Enfin, moi, j'aime bien le thème, mais c'est vrai qu'il y a que celui-là. Mais c'est pas digne de Del Toro, je trouve. C'est une musique qui est pas digne de lui. En fait, il aurait la dû avoir... La musique en soi, elle est bien calibrée. Elle est cool quand ça marche bien. Elle est bien, c'est juste que t'as qu'un thème, quoi. T'as l'impression qu'il a fait que ça. J'avoue que le reste, pour l'avoir vu deux fois, j'ai repéré un deuxième thème correct.
Oui. Et sinon, le reste, c'est toujours dans la même lignée. Mais après, c'est clair qu'il est, il est très conforme à l'univers kaiju, et surtout, il développe une idée dans le film qui est l'idée de la coopération mondiale, que tout le monde doit s'entraider pour vaincre un ennemi, et ça, c'est cool. Roland Emmerich, il t'aurait fait ça, ça aurait été de la soupe. Genre, vas-y, balance ton miel et tout. Et là, non, parce que c'est vraiment juste au niveau des... Soupe dans du miel. Voilà. C'est au niveau des personnages, donc ça fonctionne très bien. Ils s'unissent tous ensemble. Par contre, voilà, je veux dire, le mec, il faut au moins le remercier d'avoir concrétisé des visions qu'on n'a jamais vues dans le Cinoche Live. Non, bravo. Et le problème, c'est que... Rien que pour ça, il faut le voir, les mecs. Et rien que pour ça, le mec, tu dis, mais... voilà, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, bon... Ça, c'est bon... Le problème, c'est qu'après, les gens ils disent oui parce que vous kiffez le film, parce que vous aviez envie de le kiffer. Bah non. Alors justement, c'est ce que j'explique. C'est que moi, je pensais que j'allais voir un chef-d'œuvre et je pense clairement que ce n'est pas un chef-d'œuvre, que c'est un grand film, mais c'est loin du chef-d'œuvre que j'espérais. Je pense qu'il on voit le film différemment. Il y a beaucoup de gens qui... effectivement, moi aussi, quand j'ai vu Hellboy 2 et que je voyais la scène avec l'Elementary, là... qui mourait, et qu'on avait cette scène assez belle, assez poétique, sur c'est la dernière espèce qui meurt d'un truc, il y avait quelque chose de très beau, et je pensais qu'on allait être dans cette lignée-là, et la seule déception, qui serait peut-être minime déception, c'est qu'on n'a pas le côté des monstres, en fait, on n'a pas trop le point de vue, on a une toute petite partie de envie, ce qu'ils sont. Il a envie d'y aller de ce côté. C'est ça dont te parlait Philippe par rapport à la poésie, c'est Je trouve pas que le film n'est quand même pas poétique, parce que je pense qu'il y a quand même des scènes, notamment la scène dans le passé de Mako, du moment où elle rentre dans la scène, c'est-à-dire avec la neige qui tombe, des choses comme ça, sont super poétiques. Mais je pense qu'il y a des choses. Moi, cette scène. C'est le seul personnage qui est exceptionnel. Mais parce que c'est le personnage central, avec Elba d'ailleurs, c'est les deux. Ouais, voilà, exactement. Et il y a un autre truc, c'est que je pense qu'il a fait un film de chevalier, en fait, un film de chevalerie. Et que c'est assumé comme tel, d'ailleurs. C'est-à-dire que le personnage Elba est clairement le vieux chevalier d'Arapame, il s'appelait Sensei dans les premiers scénarios, tu vois. Sensei. Ouais. Non, mais Stacker. Et il y a quelque chose... je pense qu'on ne voit pas le film... Le mec a dit, je veux faire un film pour les mecs qui ont 12 ans, qui ont 10 ans, et qui vont voir le film et qui vont kiffer. J'avais eu 10 ans, j'aurais vu ce film... Mais c'est me présenter n'importe quoi d'autre. Si tu montres ce film à 10 ans, c'est le meilleur film du monde pour toi. Ouais. Mais il faut revenir aussi à tout ce qui est série de tokusatsu, tout ce qui est Sentai, ce que tout le monde dit. Ah ouais, en gros, parce qu'il y a des critiques, Variety et tout, ils ont dit ah ouais, en gros, c'est un Power Rangers survitaminé ou tout comme mais ça. Non. Alors, si t'aimes pas, si tu considères que si tu sais pas d'où vient Power Rangers, parce que ce qui est intéressant avec les séries de tokusatsu, c'est justement qu'on utilise des archétypes, justement. Effectivement, chaque personnage est un archétype. Ouais. Tu le cible direct, il a une couleur, il a un style, il a deux passions, voire max, une généralement. Il fait de la moto. Et voilà, il fait de la moto, il fait de la voiture, ou il aime bien l'agriculture. Ouais, il y a des choses comme ça. Et pareil, tu vois, il y en a un, il a un chien. Le chien, je me dis, c'est la mascotte, c'est comme Pen Pen dans les Mais non, mais tous, voilà. Tous ont une particularité. Tu vois, il a un chien, Elba, il a ses cachets. Rinko, les cheveux bleus. Mais t'aurais mis des acteurs japonais, t'aurais dit que c'est un réalisateur japonais qui avait fait ce film. T'aurais dit oui, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est un film japonais. Et la question, c'est à quoi servent les archétypes ? Et les archétypes, ça sert. Il y a pas mal de gens, justement, aussi. Ce qui est intéressant, c'est que ce film, je pense que Del Toro avait conscience qu'il n'était pas sûr de pouvoir en faire une suite ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, il a fait un truc qui est très bizarre. C'est qu'en 10 minutes au début, il vous fait deux films, quasiment, et puis il vous fait la fin de la trilogie que tu verras jamais, en fait. C'est ça. Et du coup, tu vois, tu fais, oh putain, l'univers, il est ouf. Et puis, tu vois la fin de l'histoire, quoi, quasiment. C'est la fin de la trilogie, quasiment. T'es à l'apocalypse, comme dit Elba, quoi. C'est vraiment ça. Et du coup, je pense qu'il a utilisé volontairement des archétypes, tu vois, pour... rentrer directement dans le sujet, contrairement à tout ce qui est Superman ou genre de truc, où Superman, il fait caca il y a 10 minutes dessus, tu vois. Ça devient fatigant, tu vois, moi, les personnages qui en rajoutent des tonnes. J'en peux plus, quoi. Moi, j'ai pas envie de connaître toute la vie des mecs, quoi. J'ai jamais vu du caca de Krypton. C'est très dur. C'est vrai, c'est vrai que je savais pas. Non, mais tu vois, où chaque petit trou de la vie, d'un personnage connu. Le magazine se justifie pour les cryptodiens. Chaque petit trou de la vie d'un personnage connu est écortiqué et pourrait quasiment faire un film en entier maintenant. Oui. Utiliser des archétypes et dire voilà les mecs, vous savez ce que c'est, vous savez d'où ça vient. Donc comme ça, on rentre directement dans le vif du sujet et dans l'émotion que je veux faire partager, qui sont la relation avec le fils, la relation d'amour, la fin et puis le côté fun du film. Et ben, je trouve que c'est.
les gens qui critiquent le scénario en pensant que, écrire des scénarios, c'est balancer 55 trucs de psychologie et 30 scènes avec les personnages, disent des conneries. C'est la même chose qu'Avatar. À un moment donné, il faut comprendre qu'on ne fait pas que des films pour... pour ça, on fait des films pour que les gens rentrent dedans. Dans un univers, ouais. Ces archétypes-là marchent pour ça. Et le personnage principal, c'est ce personnage qui a perdu son frère. J'ai vu cet archétype dans tous les films de gosses que je voyais à l'époque. Les films de Chevalier, de la Table Ronde, tout ça. Non, mais c'est les mêmes archétypes que ça marche, dans Star Wars. En fait, tu vois, le personnage... Oui, c'est les mêmes archétypes que dans Star Wars. Mais oui, mais je pense qu'il a lu Campbell. Hein, tu vois, je veux dire, on critique jamais Star Wars, alors que Star Wars a plus ou moins théorisé ce que faisait Campbell, qui était celui qui a théorisé tout le travail sur l'épique, sur les héros et en quoi les archétypes peuvent faire avancer le principe de l'épopée. Et ce que fait Del Toro, c'est condenser tout ça, tout le principe et la théorie de l'épopée en un film de 1h50. Ce que personne ne fait, parce qu'il n'y a plus de films de 1h50 maintenant au cinéma. Maintenant, tous les blockbusters font au moins 2h40. Le dernier qui a essayé ça, c'était John Carter. Ouais, et il s'est planté. Il s'est planté. Et c'était un film grave sur les archétypes, puisque c'était carrément limite le tout premier. Quoi. Donc, voilà. Et puis, bon, après, ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Moi, j'ai eu l'impression de voir Simba, de voir Jason et Zargozot pour la nouvelle génération. D'ailleurs, le film est dédié à Ray Harryhausen aussi. Et Honda. Et oui, donc je suis Honda. Je ne fais pas de favoritisme. Ouais, non. Et je trouve que le 1,85 marche bien sur le coup sur Johnny, parce que je trouve qu'il y a une sensation de... Bah, une grave profondeur de champ. Ouais, il y a un côté gigantesque des monstres, mais alors... qui, je trouve, marche bien avec justement ce... Non, mais là, ça marche très bien. Et puis, moi, honnêtement, j'ai vu le film deux fois à la suite, le deux jours après, et c'est mieux la deuxième fois parce que vous rentrez dans les trucs. C'est impressionnant à quel point c'est lisible. Mm-hmm, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de shaky cam, pas de zoom. Oubliez tout ce qui est Transformers, oubliez toutes les films. Le film est très classique en termes de plan. C'est voulu d'ailleurs, il l'a dit vraiment. En termes d'espace, que ça soit symétrique, etc. Il a quand même des liens avec Kaneko, tu sais, où le réalisateur de caméra. Non, en fait, quand tu prends des plans à échelle humaine. Exactement. Mais il y en a plein. Il y a plein de trucs. Oui, mais il trouve plein de petits trucs. Et même la 3D, il a bien travaillé pour quelqu'un qui a été obligé de la faire. C'est impressionnant. Et voilà, il y a des scènes qui vous foutent un... Vous dites, wow, c'est ludique, c'est toujours lisible. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu ça depuis des années, un truc aussi clair c'est clair. Parfait. Et en plus, effectivement, en termes d'effets spéciaux, il n'y a pas un truc. Même, tu vois, le film de Sam Raimi avait des problèmes d'effets spéciaux. Là, il a réussi à être impeccable. Ouais, Rose est pendant un chef-d'œuvre. Justement, c'est intéressant de parler de Sam Raimi, parce que lui, c'était dans un univers extrêmement clair. Et là, on reste quand même dans un univers de nuit. Constamment, un univers très sombre. Est-ce que c'est pas à cause des effets spéciaux, de la limite des effets, qu'il a pas, pas imposé? Non, parce que regarde dans Hong Kong, c'est la nuit, sauf que c'est encore plus éclairé que chez moi. Non, parce que justement, il s'est dit, tiens, je vais mettre des petites brillances un peu partout, les montres qui brillent. T'as vu la lumière du film, elle est impressionnante, ça peut être de partout. Une petite scène de jour avec un mecha qui arrive. Il y a une scène de jour, il y a deux scènes de jour, il y a la scène dans Tokyo. Le problème de la scène dans Tokyo, c'est comme ils font Godzilla, ils pouvaient pas montrer la scène. Et ça, c'était sûr. Donc, ce qui est horrible dans cette scène, c'est qu'on l'a quasiment hors champ. Mm-hmm. Ce qui est dommage, parce qu'elle est vachement bien, cette scène. Ouais. Et t'as quand même la scène de destruction qui est géniale. Donc, ça, c'est une scène de jour. Et t'as la scène en Australie à Sydney qui est toute petite, qui est minime. Ouais. Donc, t'as des scènes de jour. Mais elle dure pas longtemps. Et puis, les scènes de nuit, même les scènes dans l'eau, tu vois. Tes scènes d'action, c'est des scènes quand même. Moi, j'ai un vrai problème. Non, la scène dans la pluie, la première, mais celle à Hong Kong, je la trouve ultra claire, quoi. Tu vois qu'ils sont dans les bâtiments, on voit partout, quoi. Tout est clair, Le film se passe pas dans un univers réaliste, de toute manière. Non, mais c'est ça qui est génial. Moi, j'étais content de voir un film qui était pas juste... Il n'y avait pas juste deux couleurs, tu vois. Là, il y avait partout, il y a des couleurs, et ça pète de partout. Ce qui sera pas le cas du Godzilla. Quand ils sont dans la stratosphère, c'est sublime, quoi. Et... il l'avait promis. Il avait promis un combat qui se finissait dans l'espace. On en a eu un. Et puis, et après, je me rappelais, je pense, Five, le dernier. Oui, c'est vrai. Je parlais de la bataille dans l'eau, là, sous l'eau. Moi, les batailles sous l'eau, c'est toujours ce qui m'emmerde le plus dans les films. C'est difficile. Parce que c'est ce qui est le plus dur à filmer. Je me rappelle les films de James Bond où ils tirent dans l'eau, c'est ce qui est le plus chiant. C'est là où tu dis, ok, là j'en ai pour 10 minutes d'emmerde, ou parce que les mecs sont trop lents et tout. Du coup, vraiment, t'as peur que ce soit la dernière séance qui se passe dans l'eau comme ça, que ce soit tout au ralenti. Pas agréable. Je trouve qu'il s'est bien émerdé. Et pour l'avoir vu une deuxième fois, tu sais que la deuxième fois, alors que la bataille d'Hong Kong, elle est épique et c'est la seule qui te climax. Met. C'est le climax. Ouais. La deuxième fois, je l'ai limite préférée parce que je l'ai trouvé qu'elle avait un vrai style à elle, différent. Il y a des vrais moments épiques qui sont vraiment cool. Et cette scène dans l'eau, c'est pareil, c'est vraiment travaillé, quoi. Je sais. En plus, ils ont pratiquement plus de... Enfin, ils sont vraiment abîmés, etc. Alors voilà, mais c'est pour ça, il a trouvé, en fait... il a trouvé des astuces, par exemple, des mechas un peu défoncés, qui ont plus la même mobilité. Donc du coup, dans l'eau, à la rigueur, ils sont...
ils sont plus si immobiles qu'est-ce qu'ils devraient être. Du coup, c'est un mec qui traîne la jambe dans l'eau, bon, c'est pas trop grave. Mais par contre, s'il avait eu toute sa puissance, ça, qu'il était au ralenti, ça, ça aurait été dommage de faire une séquence finale dans l'eau comme ça, assez, qui aurait dû exploser de partout, finalement, où ils étaient ralentis. Mais non, il a trouvé des astuces. Bon, mais bref, mais je sais qu'il a bossé avec justement le superviseur de l'animation pour faire en sorte que cette scène soit pas chiante, parce que je sais que ça leur posait problème de dire, ah, on va finir un truc dans l'eau, il faut vraiment que ça soit dynamique et qu'il se passe des trucs, alors que forcément les mouvements vont être ralentis et limités dans un espace aquatique. Voilà, alors, tout est réfléchi. Hein. De toute façon, je vais. Bon, voilà, ça va faire 20 minutes, alors dites-nous ce que vous en avez pensé. De toute façon, Fabien en a reparlé, et nous, on va reparler dans le nouveau podcast. On va pas parler de Pacific Rim, on va parler de Del Toro. Dans le nouveau podcast, on est en train de tourner. Allez le voir. Audio. Allez le voir. Restez pas là, nous regardez. Allez-y là. Allez-y. Ouais. C'est non, quand non, même, non. C'est quand même une sacrée. Plus que soutien, c'est une sacrée. C'est vraiment un. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Très très bon. C'est un des films de l'année pour moi. C'est clairement, c'est. Ouais. C'est un vrai divertissement pur avec ce côté anti-cynique qui est quand même assez exceptionnel. C'est le spectacle émotionnel à l'état pur. C'est rare d'avoir un réalisateur aussi doué qui décide de faire un film où il met pas d'ego et où il. Ouais, oui, il donne quoi. C'est quand même pas c'est quand même pas court. Oui, je te donne. Ah, il a convaincu un studio de faire ça surtout quoi. C'est quand même assez impressionnant. C'est eux qui sont allés le chercher. Okay. Ça, les Legendary, ils sont très forts. Très très forts les Legendary. C'est de la commande. Ça. J'arrive pas à me faire l'idée que c'est de la commande alors que j'ai pas l'impression que c'est une commande quoi. C'est une commande transcendée. Ouais, oui, totalement. Voilà. J'ai qu'une chose à dire, il faut que j'aille le revoir. Moi aussi. Merci Del Toro. Bon, alors n'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires ou sur le site de Cinéfuzz. Abonnez-vous à la chaîne Cinéfuzz de YouTube. Oui, aussi. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour des nouvelles critiques sorties de Projo. On a un peu loupé Man of Steel, mais on en fera d'autres. Voilà, sur. Parle quand il sortira en délire. On le défoncera quand il sortira. Parlera de la vie d'Adèle, tout ça. Allez, salut, à bientôt. Ciao.